bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous sommes à Vieux Habitants aujourd'hui tout simplement pour assister et participer à la rue de l'artisanat. Nous avons été invités par l'association Alternative 119 et nous allons découvrir un peu tous les stands, c'est-à-dire une centaine de stands qui sont là aujourd'hui. C'est parti! Alors là, nous sommes en compagnie d'Esther de l'association Alternative 119. Bonjour Esther. Bonjour Aïssa, enchantée, merci d'être venue à Vieux Habitants. Mais tu sais, ah oui, alors en plus j'ai chaud là, il fait chaud. Ah mais c'est normal, tu es à Vieux Habitants ma chérie, tu es à Vieux Habitants. Ah Vieux Habitants, c'est chaud. C'est chaud, oui. Alors dis-moi, parle-moi un peu de l'association Alternative 119. Alors l'association Alternative 119, c'est une association, on a été créée ça fait 11 ans. 11 ans, on a trois activités, on a la rue de l'artisanat, jeunesse bac urbain et Noël solidarité. En plus de ça, toute l'année, on a une épicerie solidaire où on aide les personnes. Ah ça c'est très très bien, bravo. Merci beaucoup. Mais tu sais, il y a tellement de personnes qui en ont besoin en ce moment. Et c'est vrai qu'avec la misère en ce moment, tout le monde, il y a, en fin de compte, tout le monde, qu'est-ce que je peux te dire? On est tous concernés en oui, ce moment. Sûr. On a tous besoin. Donc c'est très très bien. Bravo pour cela. Et donc parle-moi de cette 11e édition de la rue de l'artisanat. À quoi doit-on s'y attendre? Alors aujourd'hui, à Vieux Habitants, vous devez vous attendre à voir tout. On a tout, tout ce qui peut se faire par des artisans à Vieux Habitants. On a des bijoux, on a de l'huile de carapace, du sirop de batterie, on a de l'huile essentielle, on a du sorbet, on a des glaces, on a tout, on a des vêtements, on va avoir un défilé de mode tout à l'heure. On a des sacs, on a des plantes, on a des bijoux, on a vraiment tout ce qui se fait par des artisans de la Guadeloupe. Ok, donc c'est vrai que je tiens à dire, il y a aussi de la musique, on entend derrière, enfin peut-être que vous n'entendez pas, mais en tout cas il y a de quoi bouger, il y a la musique, il y a aussi des plantes, il y a vraiment, et je ne parle pas que des Guadeloupéennes, hein, il y a vraiment des plantes, n'est-ce pas? Et donc justement, c'est la 11e édition, comment vous avez débuté cet organe? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Alors ce qui nous a donné envie, c'est qu'on s'est dit, pourquoi ne pas réunir les artisans de la Guadeloupe sur un seul lieu à Vieux Habitants, parce que tout se faisait sur la grande terre. On a voulu porter une solidarité aux artisans, à nos artisans guadeloupéens qui, des fois, qui ne peuvent pas montrer leur savoir-faire. Et ici, tout le monde, ils peuvent montrer leur savoir-faire. Et aujourd'hui, tu as combien d'exposants? Alors aujourd'hui, franchement, j'ai 109 artisans. 109, je le dis, 109. Et on a refusé 20 artisans. Alors ça fait mal justement de refuser comme ça, mais après tu me disais que vous avez débuté la première édition, il n'y avait que 10 artisans. Voilà, alors la première édition a été débutée par 10 artisans et tu vas voir sur les sites, il y a des étoiles. Cette année, on a donné une étoile à chaque artisan, les artisans qui étaient là avec nous depuis 10 ans. Il y a 10 étoiles aujourd'hui. Waouh. En plus, ils fidélisent, c'est génial. Et bon, du coup, moi je suis artisan et je veux participer à la rue de l'artisanat. Comment je fais? Alors comment tu fais ma chérie? Lorsque tu vois la rue de l'artisanat, tu nous appelles et tu viens, tu t'inscris. Alors tu appelles au 05 90 99 87 36, c'est l'association Alternative 119 et voilà, et tu t'inscris. La prochaine manifestation, c'est au mois de mai 2020. Ok, donc au mois de mai 2020, soyez connectés les artisans et soyez présents, ETV sera présent. Et en tout cas, merci Esther, moi je vais aller faire du shopping là. Merci Raïssa, merci beaucoup et merci à Éclair TV. Éclair TV, c'est TV en nous, c'est télé en nous. Merci ma jolie, t'es superbe. Waouh, la vie au top. Je suis en compagnie de Maryse, la belle Maryse. Elle a chaud comme moi-même. Il fait chaud à Vieux Habitants, on m'a dit. Très, 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 très chaud, surtout sous les... Sous les tentes, là. Là, on ne passe plus, alors oui. Il faut aller un petit peu à côté pour avoir l'air. Oui, mais il y a le soleil, du coup, ouais. Alors, dis-moi, Marie, c'est ta première fois à la rue de l'artisanat? Oui. Je découvre. Tu es de quelle commune? De Basse-Terre. Ok. De Basse-Terre, tout près. Tout près. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette rue? Pour toi, c'est ta première fois, alors? Eh bien, je trouve que c'est très agréable. On découvre plein de choses du pays. J'étais venue acheter de la menthe et j'ai trouvé ma menthe. Ah ben voilà. Voilà. Comme quoi, on peut tout trouver ici. Je suis heureuse. Et puis j'ai trouvé aussi quelque chose qui est très rare, c'est le confit de cajou. D'accord. Ah, okay. Excellent. J'ai trouvé aussi, j'ai pris la dernière boîte. Ah oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui devaient chercher également. Hein. Mais voilà. Okay. Mais super. Tu continues ta petite balade? On continue jusqu'au bout. Mais oui. Voilà, et puis on va tant qu'à faire, on va bien voir. Eh bien ok, mais je te laisse continuer, profite bien ma chérie. Merci beaucoup. Et bonne journée à toi. Merci. Thank you.
Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous entendez l'ambiance, c'est extraordinaire. C'est un super moment que nous sommes en train de passer, Hervé et moi-même. Nous sommes à Vieux Habitants, à la rue de l'Artisanat. Donc, franchement, événement organisé, c'est la 11e édition, hein, organisée par l'association Alternative 119. Et énormément d'artisans, 109 exactement. Il y a de quoi faire, il y a de quoi voir. En tout cas, rendez-vous l'année prochaine pour ce super événement. Et nous, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ETV en commune. Allez, bye bye!